5 clients d'ailleurs. Donc favorite de cette épreuve, le numéro 11, Casablanca Mix, quand bien même elle débute aujourd'hui sur l'hippodrome d'Auteuil. L'un des favoris ici à l'image, on en a parlé, hein, c'est là, c'est Edouard de Kerbar. L'entraînement donc, disions-nous, de Guillaume Macaire. Le cheval est à 4,20 €. Et puis jouer aussi dans cette course, Stéphane, on n'a pas encore évoqué sa candidature, c'est le numéro 8, Happening. Oui. Qui débute lui aussi pour, en obstacle. Pour Guy Cherel, qui débute en obstacle. Et qui a couru en plat. Qui a couru en plat et qui a gagné à Vichy au mois de mai. Il y a peu de temps. C'est un fils d'Harmonique. Ce photo présenté par RMC, 3600 mètres à couvrir. Avec le numéro 5, Radiologue, Kazakh Blanche Toc Noir, qui a pris le meilleur départ. Elfie Love, Kazakh Rouge et Blanc, vient à son intérieur. À son extérieur, il y a le numéro 1, Douard de Kerbar, d'ailleurs, qui accélère maintenant et vient s'installer seul aux commandes. En quatrième position, le 12, Julieta Star, vient avec le 11, Casablanca Mix, une Kazakh gros bleu. Dans la deuxième partie du peloton, il y a notamment le numéro 3, Jani Perse, le 6, Strong Boy également, et le 8, Happening, qui a été placé en dernière position par David Cotin. Edouard de Kerbar, monté par James Rivlet, qui a gagné la course précédente. Kazakh Noir, qui sont aux commandes de cette compétition, avec Radiologue, le numéro 5, qui est deuxième. La troisième place occupée par le numéro 11, Casablanca Mix, laquelle précède le numéro 12, Julieta Star, qui vient en quatrième position. Côté corde, sur une troisième ligne, vient le numéro 4, Maconde, qui est suivi par Comique Dénet, qui porte le numéro 2, avec au sein du peloton la présence du numéro 6, Strong Boy, avec le numéro 3. Jani Perse qui vient un petit peu plus loin pour le moment. C'est le numéro 8, Happening, qui ferme la marche avec également le numéro 9, Elfie Love. Passage devant les tribunes, Edouard de Kerbar avec de longueur sur le numéro 11, Casablanca Mix, qui vient dans son sillage alors que le numéro 5, Radiologue, se retrouve maintenant tout près des premiers. On retrouve ensuite en quatrième place le numéro 10, Le Roturier, devant le 4, Maconde, et le 6, Strong Boy. On retrouve ensuite le numéro 3, Jani Perse, devant le 7, Galeotto, alors que le 8, Happening, est toujours en avant. Dernière position, le numéro 9, Elfie Love, a perdu du terrain, se retrouvant maintenant en dernière place pour aller franchir la haie du pavillon. Et du pavillon qui va franchir en tête l'as, Edouard de Kerbar, une, deux longueurs d'avance sur le numéro 5, Radiologue, avec Casablanca Mix qui vient côté corde en troisième position à son extérieur. Galope le numéro 10, il s'agit de Le Roturier, avec dans le dos des animateurs la présence du numéro 4, Maconde, qui vient plutôt côté corde. Juliette Astar étant à son extérieur. Le numéro 7, Galeotto, est un petit peu plus loin avec le numéro 8, Happening, qui est pour le moment en avant-dernière position. C'est le numéro 9, Elfie Love, qui ferme la marche, qui est en difficulté. Alors qu'ils sortent du tournant et se dirigent maintenant vers le début de la ligne opposée, Edouard de Kerbar, le numéro 1, Kazakh Noir, qui vient à l'extérieur, devant le numéro 6, Strong Boy, qui est en deuxième position. Radiologue, le numéro 5, galopant troisième avec le 11, Casablanca Mix, alors que le 12, Julieta Star, progresse à l'intérieur, devant le numéro 7, Galeotto, le 10, Le Roturier, le 3, Jani Perse. On retrouve ensuite en position d'attente le numéro 2, il s'agit de Comique Dénet, alors que le 8, Happening, est en dernière position pour franchir la deuxième la ligne d'en face. Avec l'as, Edouard de Kerbar qui a toujours l'avantage. Vient maintenant en deuxième position le numéro 6, Strong Boy, Radiologue, qui est toujours là à la pointe du combat en troisième position. Calé à l'extérieur, le long des fusains, le numéro 11, Casablanca Mix, avec le numéro 7 qui vient dans son dos. Il s'agit de Galeotto, avec Julieta Star qui est au milieu du paquet. Nous avons à l'arrière-garde désormais le numéro 10, Le Roturier, qui a perdu un petit peu de terrain, et le numéro 3, Jani Perse, qui ferme la marche. Bientôt le franchissement de la dernière roue et la ligne d'en face. C'est toujours le même aux commandes. L'as, Edouard de Kerbar, avec une ou deux longueurs d'avance sur le numéro 6, Strong Boy. Une chute du numéro 5, Radiologue. Alors qu'à l'extérieur, Casablanca Mix se rapproche. Le 7, Caléoto, est maintenant 5e devant le 12, Julieta Star, avec le 10, Le Roturier, qui vient encore avec le 8, Happening. Le 3, Jani Perse, vient dans cet ordre. Et le 4, Maconde, qui se retrouve maintenant en dernière position. Pour sortir du tournant final, sous la conduite de l'as, Edouard de Kerbar qui tente de repartir, mais qui suit vite près par le 11, Casablanca Mix, avec en troisième position le numéro 6, Strong Boy, Galeotto, le numéro 7, venant un petit peu plus loin, alors que le numéro 2, Comique Dénet, tente de refaire un petit peu de terrain. Edouard de Kerbar qui a le meilleur accélérant maintenant pour aller franchir la dernière. Mais attention, car le 11, Casablanca Mix, qui est maintenant de plus en plus fort à son intérieur, le 2, Comique Dénet, qui est là maintenant en troisième position, avec le 8, Happening, qui est en quatrième
deuxième position, galopant côté corde, Casablanca Mix qui prend maintenant l'avantage très nettement sur en deuxième position le numéro 1 Douard de Kerbar. Casablanca Mix qui a le meilleur avec Félix de Gilles, alors que là ce Douard de Kerbar est en deuxième position mais à distance. Casablanca Mix qui signe un nouveau succès. Deuxième place pour l'As Douard de Kerbar. La troisième pour le numéro 8 Happening, devant le 10 Le Roturier et le 2 Comic Den. 11, As, 8, 10 et 2. Voilà pour l'arrivée chiffrée de la troisième course. Prix Ex Voto présenté par RMC. Victoire pour le 11, Casablanca Mix. L'entraînement d'Emmanuel Clayeux, la montre de Félix de Gilles. 4,20€ en finale. La deuxième place pour l'As, Douard de Kerba, grand animateur de l'épreuve. C'était le favori à 3,50€. Et le numéro 8, Happening, s'empare du second accessite à 5,30€. Encore une fois, Stéphane, les favoris à l'honneur dans ce prix ex-voto. Et Casablanca Mix qui signe une quatrième victoire consécutive, deux en plat et désormais deux en haie, après un début victorieux dans cette discipline à Moulins. Casablanca Mix qui découvrait l'hippodrome d'Auteuil, qui s'impose nettement, une superbe victoire pour cette pouliche qui, rappelons-le, est la sœur de Vanilla Crush, gagnant du prix Fleuret et Orcala. Et elle fait belle impression pour ses premiers pas à Auteuil, accélérant franchement après le saut de la dernière haie. Gros plan ici sur...